Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble une salade de bœuf thaï. Allez, c'est parti. Alors, les ingrédients pour la recette du jour. On a des vermicelles de riz. Ici, on a un mélange de légumes pour la salade. Une pièce de bœuf qu'on va mariner et poêler. Les ingrédients pour la sauce. Une orange, un citron vert et la pâte de piment pour la vinaigrette. La salade, la menthe et les cacahuètes pour terminer l'assaisonnement de la salade. Dans un premier temps, la marinade, on va rajouter encore notre curry dedans. On va mélanger et on va déjà mariner notre viande. Donc simplement couper le bœuf en fines tranches. On va verser dessus notre sauce. Juste avant de faire les légumes, on va s'occuper de mettre à tremper nos vermicelles de riz. Donc regardez, je vais mettre ici mes pâtes de riz à ramollir, mes vermicelles. Alors les légumes, c'est simple, il faut simplement les couper en petits morceaux, les émincer et les rassembler dans un petit bol. Donc, poivron, oignon rouge, tomate et menthe. Alors une fois qu'on a ça, on prend simplement l'orange, le citron, la pâte de piment et on vient presser nos agrumes sur cette pâte de piment. Voilà, on mélange ensemble le jus de citron, le jus d'orange, la pâte de piment et on verse sur nos légumes. Et on met au frigo, on laisse mariner le temps de terminer le bœuf et les pâtes. Comme ça, c'est bien bien froid. Donc là, l'eau vient juste de l'ébullition et j'ai coupé. Je plonge mes pâtes ramollies dedans, 4 à 5 minutes, le temps qu'elles deviennent translucides. Et on va faire revenir notre bœuf. Alors pour ça, on a besoin d'un tout petit peu de matière grasse, pas beaucoup. Hop, le bœuf. Voilà. Et là, on est bien. Alors quand c'est prêt, on le reverse dans le bol où il y avait la marinade. Et on mélange bien de nouveau. Voilà, ici les pâtes ont passé 7 minutes dans l'eau bouillante hors du feu après. Voilà, et maintenant on peut faire notre montage. Alors pour ça, on va mettre dans le fond du bol les petites feuilles de laitue. On va mettre nos vermicelles. Ici, on va rajouter dessus nos légumes bien marinés. Alors comme vous le voyez, ils ont commencé à devenir translucides. Ils ont travaillé avec le jus des agrumes. On vient rajouter dessus, encore une fois, le bœuf. Et on termine la salade avec les feuilles de menthe et quelques cacahuètes comme ça, juste concassées dessus. Moi, je suis particulièrement fan. Je mange ça encore, en pressant encore un petit peu de jus de citron vert dedans. Et pour le plaisir de la déguster plus lentement, j'utilise des baguettes. Bon appétit.